Et re YouTube. Nous nous retrouvons pour la suite de nos aventures sur God of War Ragnarok et nous nous retrouvons directement devant la pierre tombale. Comment vous dire, ça fait 2 heures que j'y suis et je me suis fait carmater sale il y a à peu près une demi-heure parce que ben il y en avait un des deux qui était mort et l'autre il lui restait un PV et j'ai dit t'es gratos et il m'a défoncé. Donc j'ai une strat pour ces deux idiots. Qui me défonce. Ouais, problème. Oui, à gauche, mon frère. C'est que je me fais quand même éclater. Voilà. Toujours debout, c'est bon. Voilà. Bon, c'est pas le bon try. Oh là là, ouais, c'est mort. C'est tellement mort. Non, j'ai même pas utilisé le pouvoir d'Atreus. Je suis au fond. Attention à droite. Alors, rappelez-vous, Michel, il faut aussi des AOE. Hein. Bon voilà. Alors déjà il fait cette attaque qui a une portée insane et aussi il fait la WE et le problème c'est que si je le laisse trop tranquille ou à distance, ben je me fais quasiment one shot. Mais bon là ça avait plutôt mal commencé. On essaie de faire ça mieux. Oui, à ta droite. Là j'essaie de le parer. Ça marche. Oui, aspire à la gloire. Viens toi. Danse pour moi. Attention à droite. Ah, vous me cassez les couilles. Ouais, là t'as ma snipe.
C'est dommage. C'était bordélique, mais bon, il y avait un monde où ça passait. Ouais, tout à l'heure, je me suis bien fait karmater. Il y avait genre. Enfin, j'ai là, c'est vraiment, ça fait un moment que je bataille, je commence à vraiment saturer. Je pensais vraiment que j'aurais le temps. Je galérerais pas autant. Quoi? Elle a quand même fait son attaque. Mais c'est dommage ça. Oui, aspire. Je regardais pas. Ah ouais, vas-y, bon, je regarde pas. Je commence à tellement perdre le focus. Vas-y. En fait, c'est vraiment ça, ça me déprime tellement d'avoir ce road tout à l'heure. Il restait 2 PV au mec, mais en fait il était insensible, je lui ai bourré une méga attaque runique et genre le mec il bronchait pas, il a continué à me taper à travers. Alors que dans la phase 1 j'ai l'impression qu'il est sensible à ça. Trop chelou. Donc j'ai compris comment ça marchait le pari avec la rage. C'est vraiment le même timing que le bouclier. Hein. Non mais. Bon d'accord, ok, bah c'est bon, j'ai mon cerveau il a rage coup. Full rage coup. Voilà, et là typiquement il s'en bat les couilles. Elle est simple, hein. Elle est juste oppressante. Tiens-toi,
On part par la même erreur. Et là, il me l'a mis. Je déteste. Yes. Oh la vache. Oh, j'ai presque envie de couper l'anneau dès maintenant. C'est un symbole de leur trahison, leur cruauté matérialisée. 5 sur 12. Si j'ai pu faire la paix avec mes lames. Tu n'as pas tort. Si Skofnon nous débarrasse de ses chiens, je devrais pouvoir supporter sa présence. Du coup, on peut améliorer la lance, là ? Oh la vache, et je vous le dis, hein, j'ai envie de couper la VOD là, parce que là ça fait genre plus de 2 heures que je suis sur eux. Et en fait c'était typiquement la même situation, sauf que tout à l'heure j'avais beaucoup plus de vie, et je l'ai regardé et j'ai dit mec t'es gratos, en faisant, j'ai fait l'américain. Il m'a mis 4 claques, j'étais en mode il me restait plus qu'un PV. Thor parlait à son marteau. Oh, alors il le fait encore. Oui, est-ce qu'il enchante l'acier? Jette un sort, quelque chose comme ça. Non, il est juste givré. Là. Oh la vache. Ouais, non, mais... Mais le pire, c'est que ça se trouve, j'en ai d'autres à faire qui sont plus simples, qui sont plus abordables. Parce que là, j'ai tryhard ces deux cons, mais... Oh la vache. Bah, au moins, en fait, ce qui, je pense, m'a un peu sauvé, c'est le fait de capter comment ça fonctionnait, le timing des deux loulous. Svartalfheim, tout était fait ? Attendez, je veux juste vérifier. Ah ouais, mais j'ai juste tellement envie de couper, là. Ils m'ont vidé, ces cons, hein. Je les ai tous faits. Et tiens, je me demande si ici, il n'y a pas une faille. Des petits dragonaux, là. On va aller vérifier. Oh, j'en peux plus. Et en plus, d'un coup, j'ai horriblement envie de pisser. Vraiment, je pense que j'étais tellement en pression. Que le corps il était complètement crispé. T'as, là aujourd'hui je m'inflige un sacré, je m'inflige des défis. Hein. En plus là il y a le week-end, donc pendant tout le week-end je vais pas jouer. Il va falloir reprendre tout ça semaine prochaine. Ça va être sport. Je veux juste voir, ouais, s'il y a pas... Parce qu'on est d'accord qu'ils... Ah, ils mettent inconnu ici. Donc il y a moyen qu'il y ait une faille ici. Merde, quel con. Ici, non découvert. Non, mais à tous les coups, c'était là-bas. Bon, bah tant pis, on se tape le voyage. Si je rencontre une personne où je prends la save. Comment savoir si elle... Enfin, si je lui plais aussi. Est-ce qu'il y a
quelqu'un ? Je... Ah. Non. Simple curiosité. En fait, c'est sans importance. C'est... sans importance. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est que là, pendant le trajet retour, je vais enlever mon sous-pull et je vais aller pisser. Donc vous allez peut-être attendre 30 secondes sans moi, mais pas de panique. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Oh, ça change. Oh, ça change. Un truc buvable. Allez, dégage. Merci. Frère, ce morne s'est trouvé un perchoir. Allez, salut. Ah, parce que là, je pète de chaud, là, c'est insupportable. Bon, ici, non découvert. Eh oui, parce que du coup, les petits linworms, là. Les petits linworms de ces morts. Peut-être s'en occuper. Mais je suis content. Ils ont été validés, c'est cool. C'est très très cool. Ils étaient galères. On a un autre duo aussi, je crois, dans le désert. Mais, on a Yalti. Allez, je fais ça. Petit, j'ai cru comprendre que tu avais fait la connaissance de la fille de Thor, c'est vrai ? Oui, Oud est super. Elle veut devenir une Valkyrie et elle en a l'étoffe. Bien sûr, je lui ai tout raconté sur les Valkyries qu'on a affrontées. Mais je ne suis pas sûr qu'elle m'ait cru. En tout cas, elle n'a pas aimé ce que je lui ai dévoilé sur son grand-père. Il est quelquefois difficile de voir la vérité sur sa propre famille. On la prend parfois à ses dépens. Mes excuses, c'était un gros pipi. Et faut que je recharge la clope. Et oui, j'ai vu qu'il y avait un script sur la fille de Thor. J'ai un peu suivi le début quand j'ai enlevé le sous-pull, mais j'ai pas vu la fin, hélas. Je reverrai sur la VOD si j'y pense. Et j'espère. Alors attendez, parce que là c'est un peu le merdier, le truc qui dégouline. Il dégouline, mais grave. Et j'ai pas envie d'avoir des produits sur les doigts. Bon, bah du coup, on sait qu'il y a un... Alors, c'est cool, le jeu est quand même assez, assez généreux. Hein. Il te laisse pas au pif chercher 1000 ans les objectifs. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce let's play. Hein. Évidemment, il y a eu des gros temps morts avec les explorations. Et bon, des fois, je suis un peu dissident, mais... Mais j'espère quand même que ça vous plaît. J'ai eu des bons retours. J'ai eu des retours très positifs. Bon, bah déjà parce que le jeu est ouf. J'ai aussi eu des retours de gens qui regardent parce que justement ils voulaient pas faire le jeu sur PS4. Et je suis effectivement un des heureux élus qui a une PS5. Bon, ça va maintenant, la PS5 elle est trouvable. Hein. C'est vrai qu'il faut sauter sur les occasions, mais on peut en choper. Après, c'est un budget, c'est sûr. J'ai eu le nez creux. Qu'avec ma femme on mette de côté pour justement pouvoir en prendre une quasiment à sa sortie. Hein. Je l'ai eu que un mois après sa sortie. En sachant que je m'y suis pris vraiment, je crois que j'ai fait la précommande genre 3 jours après la conférence. Hein.
Et à ce moment-là, mais personne ne s'attendait à ce que ça soit autant la merde au niveau des disponibilités. Donc oui, effectivement, j'estime que j'ai quand même beaucoup de chance. Surtout que ça s'est joué, je l'ai déjà raconté l'anecdote, hein, mais vraiment ça s'est joué à rien en fait. Normal, en fait théoriquement j'aurais même pas dû l'avoir. C'est juste que quand ils ont déporté le rayon multimédia au grand Leclerc, et en sachant que les deux n'étaient pas collés, dans certains cas ça arrive. C'était le cas dans la ville où j'habitais et là où je travaillais d'ailleurs, parce que l'espace culturel en question, c'est là où je bossais avant pour faire des remplacements. Mais du coup, quand le multimédia et compagnie, ça a été déporté au Leclerc, dans la boutique à l'accueil, bah du coup, tout ce qui dépendait des consoles et compagnie, bah, ce n'était plus du ressort de l'espace culturel. Et Du coup, moi j'ai loupé le coche sur le jour de la sortie parce qu'il n'y en avait que 3 et après, soi-disant j'étais le 4ème, en fait je pense que c'était bullshit et il y a quelqu'un de l'équipe qui m'est passé devant et qui, bon, arbitrairement a dit bon, il y en a une, je la prends, alors que bon, il n'était pas... Moi quand j'avais réservé à la base, on m'avait dit que j'étais genre le 2ème ou le 3ème, je sais plus. Tu as le droit de me crier dessus, si tu veux. On va être parti. Qu'est-ce que cela changerait? Et au final, genre même pas un mois après, en fait, le Leclerc a été ravitaillé en PS5, mais pas de manière legit via leur livraison, via leur commande, mais parce qu'en fait, l'espace culturel, du coup, en avait reçu, parce que mon ancien patron, bah, du coup, lui, à l'époque, quand il gérait encore le multimédia, avait déjà pré-shot et avait déjà validé des commandes, etc., pour pré-shot, la sortie. Et donc, en fait, il en a reçu. Donc, c'était un peu le pif erreur qui a fait que, l'espace culturel a transféré au Leclerc les stocks, parce que c'est ce qui se faisait des fois pour certains cas. Et donc là, pour le coup, ils l'ont fait aussi. Et donc, j'ai eu ma PS5 grâce à ça. Sentir mieux. Alors que... Non, tu ne m'as pas assez fait confiance pour venir me parler. Je pense que même un an après, j'aurais pu ne pas l'avoir. Il ne faut pas. C'est de ma faute. Du coup, attends, il se passe un truc là avec Atreus et Mimir. Bref, du coup, j'ai loupé le script avec la fille de Thor, donc bon, ils se sont peut-être dit des trucs un peu genre drama ou quoi. J'en sais rien. Maintenant que j'y ai passé du temps, j'ai du mal à imaginer Magni et Maudit vivre à Asgard. Ah, c'est une faille de... Tous deux, pas vrai? Elle a l'air d'être une bonne mère. Oh mon dieu. Un peu trop protectrice, peut-être. Une bonne mère? On ne parle... Oh mon dieu. Oh, c'est une faille du cul. Dans la culture des As, où la débauche est une vertu, être un parangon de féminité oblige à manier les armes aussi bien que la chope. Et nous en resterons là pour le moment. Ah, j'aurais dû le laisser finir. Bon, c'est une faille du cul de Helheim. Eh oui, parce que le corbeau de ses morts, il nous a dit, ouais, il y a 6 failles à fermer. Et je suis sûr que c'est une quête cachée. Donc on va le faire avant de finir le jeu. Oh putain, c'est chaud. Oh putain, c'est chaud. Ça suffit. Pourquoi t'es aussi tanky, toi? What the fuck? Bah ouais, d'accord. Ok. Mais il se passe quoi avec ce mec là? Je vais peut-être sniper les autres. Après, c'est peut-être du endgame ça. Oh là, regarde! Une autre brèche de royaume de garde. Tu veux pas te manier le cul? Les American Sniper là. Ah oui, d'accord.
c'est chaud. Mais c'est quoi ce sac à peuve? Oh la vache! On est prêt. Et si c'est ça à chaque fois, au secours. Ah. Bah let's go. Qu'est-ce que je ramasse là? Amélioration d'armes, étincelle de glace. Oh. Ok. Ah, c'est peut-être pour les upgrades finales. Ah ouais, bah vas-y, il faut qu'on le fasse. Oh là là, encore un challenge du cul. Mais il y a quand même un nom découvert. Et ici aussi. Mais ça, je pense que ça n'a rien à voir. Et je peux améliorer la lance. Normalement. Le problème, c'est que... Ouais, j'ai pas l'info tant que j'y vais pas. Alfheim. On a un nom découvert ici. Donc il y a un monde où effectivement il y a aussi une faille comme ça. Pierre tombale. Bon, donc là ici il y a que ça. Et il y a deux noms découverts dans cette zone là. Ok, bon. Il y a de quoi faire. Donc les prochaines sessions ça va se résumer à ça. Hein, je vous dis. Est-ce que c'est à Trout que tu pensais quand tu voulais savoir Trout? Non. Enfin. Je ne parlais de personne en particulier. Et... en plus, Skulder aime bien Trude. Mais tout ce qui compte pour elle, c'est devenir une Valkyrie. Elle ne pense qu'à ça, tu vois. Tout à fait, petit. Tout à fait. Sache en tout cas que si tu as besoin de revenir sur ce dont on a discuté... Je sais. Ça va. C'est bon. Bon, du coup, direction Alfheim. Et au pire, Yalti, on va la tenter, hein. Yalti, il me semble qu'elle est toute seule. Mais il y en a 12 des berserk à faire. Hein. Mais je vous le dis, je sais pas si on arrivera à platiner le jeu, étant donné qu'il y a aussi la fameuse quête cachée avec les statues à réactiver là. Mais bon, je suis moyennement saucé par ça. Et ça m'étonnerait que ça fasse partie de des fameux achievements à faire. Putain, mais deux noms découverts. Juste dans cette zone-là. On y était repassé ici quand on avait les objectifs. Quand on avait les objectifs des Linworm. Et on avait rien. Donc deux objectifs quand même. Je me dis probablement une quête quand même. Au passage. Ah, là on voit quelque chose. Okay. Donc ça va être une faille. Il doit y avoir une faille par royaume. Muspelheim. Il y a un nom découvert ici à Muspelheim. Oh, il doit y avoir une faille. Mon dieu. Mon dieu, faut retourner là-bas.
D'un côté, c'est bien parce que ça fait une petite pause avec les ennemis, genre archi-vénères. Trois armes légendaires. As-tu une préférence, père ? Non. Ce sont des outils aux usages spécifiques. Une préférence n'aurait aucun sens. Moi, j'aime bien la hache. Moi aussi, j'aime la hache. J'espère qu'il sera récompensé, Christopher Judge, le doubleur officiel, pour son taf sur Kratos. Parce qu'en VO, c'est aussi très cool. Hein. Je sais pas où je vais. Christopher Judge, c'est celui qui fait Tilk hein, dans Stargate. Le Goa'uld. Le Goa'uld gentil. Oui. Ah bah c'est peut-être là où il y avait la méga baston. Qu'en pensez-vous? Vas-y, je vais là pour voir. J'y crois pas du tout. Non. Oh mais vas-y, à l'aide. Et pour une fois qu'on y va, qu'on passe pas par là, ça va être par là. Ouais. Ouais. Y'a pas un forgeron là ? Ouais, c'est ça. Oh là là. En plus vu la zone. Passage de royaume ouvert par garde. On va la refermer. Ouais. Il est immonde. Mais il est immortel en fait. Mais MDR, le mec est immortel. Alors c'est peut-être parce que je le tape avec la hache. Mais ils peuvent pas te mettre un ennemi qui est immortel, c'est pas possible. Tentative. Ah non, c'est juste un putain de sac à PV en fait. Oh là là, oh il est immonde. Oh c'est de la survie. Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien? On est presque. Pourquoi le timer là il tourne plus hein? Allô? Ma gueule? Ah, c'était vraiment dangereux. Les autres, mes frères. Atreus. 4 sur 6 ? Comment ça, 4 sur 6 ? J'en ai jamais fait autant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? 4 sur 6. Quatre sur six ?
Mais vous avez pété les plombs. Oh, je sais pas. Bah non. Bon, alors c'était la quatrième. Voilà. Ah, je vais juste regarder les objectifs. Bah, 4 sur 6. Alors là, bah, d'un côté tant mieux, hein, parce que c'est immonde. Là, ça c'est pareil, il manque un puits de Rogar. Mais ça, c'est de toute façon, c'est pour la fin. Je suis sûr, même la dernière brèche, ça va être un truc inaccessible. Parce que t'es pas censé pouvoir casser le jeu. Hein. Servi de la lance. Si tu as le temps, je peux l'améliorer pour toi. Ouais, vas-y, fais ça. Salut, Sindri. Alors, le voyage à Asgard? Je me suis battu avec Heimdall dans un champ de boue. Je m'en suis mis partout. Heureusement que tu en es sorti. Je t'en ai ramené un peu, si tu veux. Ne t'approche pas de moi, jeune dépravé. Ok, la lance. Donc ça on peut pas, hein, évidemment. Au max, incroyable. Tu seras à la pointe. Le bouclier est au max. Ça on peut pas. Bah je suppose que l'armure et tout c'est pareil hein. Ouais. Bah d'accord. D'accord. Et du coup les compétences. Des nouveaux objectifs. Ah j'ai que 6000 XP, dommage. Oh là là. Ouais. Alors ça c'est bien. Ouais. Ça aussi c'est bien. J'aurais tellement dû débloquer tout ça avant de faire les épreuves à Muspelheim. Bon, on les a fait à notre manière. Bon bah du coup let's go to cassage de fion. Peut-être. Maybe. Mes frères, on va essayer. Comment avez-vous réussi à tuer Garm finalement? On l'a tué plusieurs fois en fait. Mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme était de lui en donner une. Et je lui ai donné celle que j'avais. Je te demande pardon. Fenrir, tu te souviens de la lueur qu'avait vu Père? La magie que j'ai utilisée sans le savoir à sa mort. C'était l'âme de Fenrir qui entrait dans mon couteau. Lorsque je l'ai compris, j'ai simplement inséré Fenrir dans Garm. Très malin, petit! L'âme d'un fidèle compagnon dans une gigantesque créature infernale, c'est brillant! Bon, peut-être que j'explore un peu. On va juste tourner un petit peu pour voir si on n'a pas quelque chose qui s'affiche. Ymir, tu lui disais que Sif n'était pas une bonne mère à l'époque où tu l'as connue. Elle buvait beaucoup, c'est ça? Oui. Qu'ils affrontent leurs ennemis avec brutalité ou élèvent leurs garçons sans plus de douceur, Sif et Thor n'ont que rarement connu la sobriété. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, petit frère. Tu n'as pas eu une enfance facile, je sais. Mais cela aurait pu être... Bien. Imagine apprendre la discipline en étant roué de coups, encore et encore. C'était là la méthode de Thor, celle qu'il avait apprise d'Odin. Une sale vision de la virilité transmise de génération en génération. Un sinistre héritage qui n'a jamais bénéficié à personne.
Eh bien, Sif ne boit plus. Thor non plus. S'il m'en restait, les bras m'en tomberaient. Pour lui, j'ai l'impression que c'est encore récent. Mais je sais qu'il aime sa fille. Ceci explique sans doute cela. Sif s'est calmé dans l'espoir qu'élever une bonne fille compense leurs erreurs passées. Thor a eu plus de mal, mais elle lui a lancé un ultimatum après qu'il a franchi certaines limites. Comme ce qu'il a fait à Maudit, la nuit où il nous a trouvés. Oh, c'est bien possible, mon garçon. Si cet ultimatum a fonctionné, alors tant mieux pour eux, sincèrement. Bon, on n'a pas d'infos, hein. Ou alors c'est dans les cavernes. C'est vrai qu'on avait cet endroit là qui... Bah non, les cavernes, tout est à fond. Ou alors c'est là où il y avait Bubuse. Bubuse la méduse. Non, je vois pas. Ou alors c'est un autre objectif in-game. Bon. On va tenter. Je suis à fond là. Je suis à fond, petite save. Ce que j'ai fait tout à l'heure au cas où, hein, que le jeu me carotte pas... Ma rage. Je crois qu'ils étaient deux, hein. Je crois que c'était tendu. Donc pas sûr que on le fasse pour cette VOD là. Mimir, tu connaissais, gars ? Oh, ouais, non, ça passe. Ils sont trois. Oh, c'est les mêmes patterns. C'est les mêmes patterns, bon, par contre je prends beaucoup moins cher. Donc ils sont trois. Tu peux pas parler dans ta vie? Enfin, c'est quasiment les mêmes patterns, il y a une petite subtilité, mais... Non, c'est pas grave. Ok. Ok, ok. C'est quasiment les mêmes patterns, donc du coup c'est déjà du... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu les deux mêmes types d'ennemis. Il y en a une qui snipe. Je sais pas si je fais le boss d'abord. Comment ça ? Ok. Ah, c'est le même timing. Par contre, toujours plus long son truc là. D'accord ? C'est méga haut du cul là, ça dure 1000 ans. Ça va être beaucoup plus simple. Je pense qu'on va pouvoir les faire. Et après sûrement qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Hein. Non mais d'accord, mais tu veux pas invoquer un dragon aussi tant qu'il y est? Viens,
Oh, j'ai fait n'importe quoi. Oh la vache. Mon cou est en train de geler. Raté. En fait, elles ont les mêmes patterns que les magiciens insupportables des elfes. Ok. Je vais la forcer pour la tomber, ça. Surtout, restez calme. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Hein. Non! Mon cou est en train de jouer! La tête! La vache. Non mais vas-y, j'ai raté mes timings de l'univers, c'est terrible. Ah vas-y, j'ai tout chié. Ah c'est compliqué hein, les combats comme ça où ils sont plusieurs. Ah, j'ai Yalti qui est toute seule. À mon avis, elle c'est un sacré morceau. Mais encore une fois, c'est la leçon qu'on a tirée de Muspelheim. Mais bon, je le savais déjà dans tous les cas. C'est que les ennemis tout seuls, je préfère. C'est plus simple. Bon, à moins qu'ils te one-shot avec des attaques complètement pétées et qui pop. Hein. Là, évidemment, c'est chiant comme la pluie. Derrière toi, mon frère. Oh putain, je me suis pris les deux. Insupportable. C'est pas tout à fait les mêmes délais, j'ai l'impression. Je suis calibré pour le... Oh la vache, ouais, d'accord, ouais, non mais oui. En fait, on va toujours avoir le même problème, c'est que s'il y en a un qui nous snipe pendant qu'on est en train de bourrer et qu'on le voit pas, bah c'est mort. On peut faire une tentative en essayant de bourrer au moins un des snipers. Ah, sauf que je me fais casser le pion, quoi. Putain, mais j'ai pas les timings, mais c'est un truc de fou. Derrière toi. Sors.
Ok. Je suis mort. Hein. Tu me fatigues. Franchement, si ça, ça passe. C'est le cafouillage, c'est le cafouillage. Et oui, parce que dès qu'il y a le verrou dès qu'il y a le lock, bah du coup viser à la hache, c'est compliqué. La caméra elle veut pas, elle résiste à mort. Hein. J'ai bien compris hein, qu'il fallait que je pète les boules quand il me les envoyait, mais ouais. C'est l'évidence même hein. Tu brûles, crapaud. Ça passe pas. Ah ouais, non mais ouais. Je comprends bien. Je comprends bien. Je comprends bien. Vas-y, en fait, à chaque fois je fais la flèche de gauche pour me switcher d'arme et passer à la hache, sauf que là c'est la flèche de droite. Mais c'est vrai qu'ils sont sacrément casse-couilles à distance. Hein. Ah mais d'accord, je viens de comprendre un truc. Aïe. En fait, si j'en tue, je suis les deux. C'est quand même dommage, hein. D'accord, mais c'est pas juste complètement arbitraire par hasard. Non mais d'accord. D'accord, si j'en focus une, en fait les deux sont dans le mal. Ça change effectivement beaucoup de choses. Ça va être plus simple que prévu. Derrière toi, mon frère.
Putain de poignée de merde, mais j'en peux plus de ce poids, de ce canal carpien de mort. Allez, il faut juste que je tue les witch. Et après c'est bon. Très bien ça. Derrière toi! Derrière toi! Elle va bien chier. Elle va bien chier. Insupportable. Non mais ça va passer. Je pars du principe que ça va passer. Bon évidemment si là dans allez 10-20 minutes max c'est pas passé. Ah mais non, mais non, mais c'est la même attaque. Beaucoup de glace. Tiens pas. À droite, mon frère. Pourquoi tu ne bloques pas? Comment une question. Derrière toi,
droite, mon frère. C'est vraiment pour ça qu'il faut focus, et il faut les focus. Faut pas leur laisser le temps de faire ça. Commander, la cruelle. La guerre, la froide. Derrière toi. Ça va, tranquille là. Ça me saoule cette caméra. En fait, faudrait pas que je joue avec le lock de la caméra, mais le problème c'est que sans le lock de la caméra, faut que je bouge la caméra, et quand je bouge la caméra, ça me fait mal. Déjà, juste mettre les petits coups pour changer de cible, ça me fait douiller. Non, j'accepte de m'en prendre plein le cul du boss, mais voilà ce qui se passe, quoi. Derrière toi, attention. Je pense pas que je puisse le perfect parry, ça. Parce que si je peux le perfect parry et le renvoyer, ça va faire des dégâts monstrueux. T'as pourtant, ils ont la vie, hein. Ils ont la vie pour que je les défonce. Sinon, on repart sur le focus du boss. En fait, c'est ce qui me semble d'un sens le plus simple. Ok. Pas trop casse-couille, c'est boule de feu, ça va. D'accord. J'ai plus les timings, je sature. Je vous l'ai dit, de toute façon, depuis tout à l'heure, j'ai le crâne dans un état, là. Bah, on va retenter de focus juste le boss, et puis en essayant de voir les mages. D'avoir les mages dans le champ de vision. C'est encore ceux qui me font le moins de. Ah, ouais, dommage. Ça passera. Je suis tellement mort. Derrière
J'utilise pas mes pouvoirs de l'âme, faut vraiment que je bourre là-dessus. Hein. Non mais ouais, le boss, je pense que c'est le mieux. Le boss c'est le mieux parce que c'est le plus lisible quand c'est le bordel. Et après, une fois qu'il est fait, ben... Bref. Après c'est les deux qui ont une vie partagée, donc ça va. C'est pas comme s'il y avait les deux. Imaginez, il y aurait eu les deux. Donc là, typiquement, c'est une erreur. Ouais, par le pouvoir de je m'en prends plein cul. Voilà. Oh, c'est un bon début. C'est quand même un sacré bon début. Les couilles. Mon cul, c'est du poulet. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Et mon cul, c'est du poulet. Non mais... Bon. On va peut-être se laisser ça pour la prochaine fois. Mais la prochaine fois, c'est dans 3 jours. Aïe. Commander, la cruelle. Ça passera. Tout ça pour claquer mon pouvoir des lames. Hein. Boule de feu de merde. Tiens-toi.
On y a assez. C'est con parce qu'elle était bientôt stun et oh là là, ça lui aurait faut attaquer des gars, je la tuais. Bon, j'en ai trop, j'ai trop pris cher au début. Derrière toi! Tu me fatigues! Oh, c'est bien. On y est assez! Non. Un boule de feu dans mon cœur. Voilà. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Debout, prêt. Mais bon, deal avec les boules de feu ou les boules de glace alors que l'autre est en train de te taper en même temps, c'est un délire. Hein. Commander, la cruelle. Mort au défi de l'être. Viens pas. Nous ne fatiguons. Le stun de mon amulette, non, t'en as rien à branler, bah très bien. Bon allez, j'entends encore un et puis on va s'arrêter là. Tant pis. Oui, en plus c'est vendredi, normalement je suis pas censé... je ne peux pas normalement pousser aussi longtemps. Ça va vite devenir infernal pour d'autres raisons. Perdu. Non, ouais, non, mais ces boules de feu,
En fait, j'ai capté le pattern de ces boules de feu. Ah, c'est dommage, vas-y, je pouvais tellement... Après, j'ai remarqué un truc, c'est que si, admettons, je demande à Atreus de m'aider sur le boss, du coup, les autres prennent l'aggro sur moi. Non, je peux pas. Vas-y, ça me saoule tellement, ces boules de feu, ces boules de glace, j'en peux plus. Le reste, ça va en fait. Ouais, je sais ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était le dernier travail avant, mais ça va, c'est pas de l'abus là, les quadruples boules de glace là. Non mais c'est trop... Non mais ça... C'est abusé... Non mais c'est abusé. Vas-y, l'autre elle m'en balance 3 d'affilée, mais... Elle m'en balance 3 d'affilée. Voilà, c'est la pire RNG, hein. C'est dommage, hein, j'avais mon pouvoir des lames. Putain. Ouais, je suis coincé. Allez, c'est parti pour les boules de feu random. Voilà. Allez, le vrai dernier. Le vrai dernier, on s'arrête là. Et désolé si ça n'aboutit pas.
Et du coup, la prochaine fois, ce sera cette merde. Si on n'y arrive pas maintenant. L'attaque après l'esquive. Bon, vas-y, j'arrête. Stop, j'arrête. Parce que ça peut durer une heure encore. J'arrête. On fera ça dans 3 jours. En espérant que je n'ai plus mal à la main. Hein, et que je sois pas trop aux fraises. Mais il y a moyen. Il y a moyen. J'ai super mal. C'est un truc de fou. Ça, c'était passé hier soir. Là, vite fait, le bomb que j'ai mis tout à l'heure, ça avait un tout petit peu atténué. Mais là, ça relance de fou. Ça relance de fou. Mais bref, désolé. Nous ferons ça la prochaine fois. Et ça va être immonde. Je le sens. Des bisous. Et à très vite pour la suite de nos aventures. Portez-vous.